Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de My Job My Truck. Alors, de plus en plus de femmes travaillent quotidiennement sur les routes, clairement des professionnels avec pour seul outil eh bien, leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être, hein, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une Iron Woman, Coralie, qui a suivi donc un programme de formation au permis poids lourd destiné eh bien, à la gente féminine. Et vous allez voir qu'elle n'a pas manqué de détermination pour devenir conductrice. Salut Coralie. Salut Vincent. Ça va? Ça va, merci. Ouais, donc merci de m'accueillir pour cette journée. Mais de rien, il n'y a pas de souci. C'est ton camion? Voilà, un FH5 de 500 chevaux. Ouais. Et ça, ce sera pour ce matin. On s'en va charger de la peinture chez Reka. On va changer de véhicule dans la journée? C'est ça, cet après-midi, on sera en décaissable. Ok. Alors moi, je suis content de passer la journée avec toi, de découvrir ton métier. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là pour. Ouais. Il n'y a pas de souci. Tu m'invites à bord? Allez, je t'en prie, monte. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, tout à l'heure, j'ai annoncé que tu étais une Iron Woman. C'est alors, ça. Quel est ton pouvoir? Il n'y a pas de pouvoir particulier. C'était juste une formation réservée aux filles pour me permettre de passer mes permis poids lourd et super lourd. D'accord. Oui, alors ça, c'est une formation initiée. C'est toujours en cours, hein, d'ailleurs. Il y a plusieurs sessions. C'est ça. Mais initiée par RAS Intérim et Volvo Trucks. C'est ça. Ça s'appelle, il me semble, Iron Woman, agir au féminin. C'est donc, ça, exactement. C'est vraiment destiné aux femmes qui souhaitent passer les permis poids lourds. Voilà, c'est pour aider à l'insertion des femmes dans le monde du transport. Et alors, comment tu es arrivé justement à faire cette formation, ton parcours personnel ou professionnel? Alors moi, de base, j'étais à l'exploitation depuis 4 ans et demi. D'accord. Au niveau scolaire, j'ai fait un bac pro transport. D'accord. Voilà, qui m'a permis de pouvoir travailler à l'exploitation. Ok. Et ensuite, étant donné que j'ai toujours voulu être au volant d'un camion, j'ai demandé à mon directeur de l'époque s'il était d'accord pour me faire passer les permis, chose qu'il a refusé. Donc, comme il a refusé, je me suis renseigné où est-ce que je pouvais passer les permis et avec quel organisme ou quoi. D'accord, pour aller faire ta formation. Voilà, pour aller passer mes permis, autre part. Mais de toute façon, je te sens déterminée aussi. Ah oui, hein, moi. Je sens un petit peu le caractère, là. Il va peut-être se dévoiler au fur et à mesure de la journée. Dedans, il me semble, depuis très longtemps aussi, oui, dans le milieu ça. Du transport. J'ai mon papa qui est chauffeur, c'est ça. Ouais. Toujours en activité. Toujours en activité, ouais. Oui, c'est ça. Et alors, ça fait combien de temps maintenant que tu as passé cette formation et que tu es donc alors, en pleine la action. Formation, elle a commencé début mai de l'année dernière. Ok. J'ai fait 3 mois de porteur. Il y a eu une période de stage, parce qu'on a quand même des stages sur cette formation. Derrière, il y a eu 2 mois de super lourd. Ok. Et à la suite du super lourd, une fois que j'avais terminé, je suis rentrée en poste directement chez Pêche. Oui, parce qu'on ne l'a pas encore dit, tu travailles donc chez les transports Pêche. C'est voilà. Ça. Donc en poste chez Pêche, j'y suis depuis début novembre. Ok. Mais officiellement, je conduis toute seule un camion depuis la mi-décembre. C'est quand même bien que des transporteurs se prêtent au jeu là et s'investissent effectivement dans ce genre de modèle d'intégration au métier. Quoi. C'est ça. Parce que toi, tu fais que du régional comment dans, oui, de journée, je fais que du régional. C'est un choix que tu as fait dès le départ. Familial pour l'instant, parce que du fait que j'ai ma petite fille de 6 ans. Je souhaite rentrer, oui, tous les jours à la maison pour pouvoir m'occuper d'elle. Et... Tu arrives à jongler avec oui, tout ça oui. Ouais. Alors, c'est beaucoup d'organisation, mais c'est faisable. Okay. Avec de l'organisation, tout est possible. Ça marche. J'imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup de femmes dans le milieu. Alors, tu as peut-être gardé des contacts avec les Iron Woman. Oui. Je suis toujours en contact avec deux copines à moi. Ouais. Qui eux aussi sont en poste maintenant. D'accord. Tout, on a trouvé notre voie, c'est vraiment
Et sont dans des missions journalières comme toi ou il y en a Oui, alors j'ai une de mes collègues qui fait de la nuit. D'accord. Et une autre qui est en porteur en benne. Ok. Ouais, c'est encore autre chose, ça. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est différent. Et alors, tu préfères conduire quoi, toi ? Des tracteurs ou des porteurs ? Ah, moi, les tracteurs. Moi, je suis bien en semi. Et ouais. j'aime beaucoup aussi le camion remorque. C'est différent. C'est autre chose, mais j'aime beaucoup aussi. Ça me plaît aussi. Mais vraiment, moi, c'est la semi. Donc là, alors c'est toi qui vas faire le chargement des palettes de peinture ? C'est ça. On charge pour la région parisienne. Ok. Qui sera livré par quelqu'un d'autre. Voilà, ce sera livraison ça partira cette nuit pour être livré demain dans la journée, je pense, ou demain matin. Oui, là, l'accès, tu es obligé de rentrer en marche arrière. Exactement. Eh bien, on y va. Je t'accompagne. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, je t'en prie. Communication. Oui, bonjour, Transport Pêche, je viens charger. Allez, bientôt. Merci. Donc ça se passe ici, ah oui, il y a un peu de stock quand même. Hein. C'est ça. C'est que de la peinture, là ? Oui. Chargement terminé. Oui. C'est rangé au cordeau. C'est ça. Parce qu'il faut ranger les 33 palettes quand même. Il faut savoir manier le transpal. Ouais. Il n'y a pas que le volant, il y a aussi le transpalette. C'est ça. Il y a aussi de la manutention. Ouais. Bon, super. On sent la maîtrise quand même. Bravo. Alors, donc pour ce matin, là, tu m'as dit qu'on était dans un FH500. Voilà, un ISEV. On a les commandes au volant pour le ralentisseur. C'est super facile à conduire, il n'y a pas de difficulté. Ben oui, parce que c'est quand même important, alors tu as dû le voir certainement pendant ta formation, mais là, on va dire la conduite rationnelle, économique, c'est le nerf de la guerre, on c'est va dire, ça. Pour les transporteurs. Hein, donc, ouais. Il y a peu de temps, j'ai même eu le droit à une formation, formation avec un formateur Volvo qui m'a suivi une journée pour… Une petite piqûre de rappel. Voilà, pour me montrer… pour m'aider à gérer le camion au mieux, avec toutes les capacités au maximum. D'accord. Et donc alors, t'en as retenu quoi de cette piqûre de rappel ? L'anticipation, donc l'anticipation, c'est il m'a appris à gérer le high roll. Ouais. Donc c'est la roue libre chez Exactement, Volvo. Exactement, ouais. Donc voilà, et bien anticiper mon freinage au ralentisseur. Et alors, comment se sont passés là tes 6 mois chez les transports pêche là, je pense que c'est une belle entreprise. Hein. Ouais, très bonne entreprise, à l'écoute. Ouais. Parce que bon, étant donné que j'ai ma petite fille à côté de 6 ans, ils savent très bien que si je suis embêtée, ils m'aident de ce côté-là, ils sont très à l'écoute, il n'y a aucun souci. Et puis, du travail diversifié, c'est pas la routine. Moi, c'est ce qui me plaît. Ça se passe bien aussi avec les collègues. Oui, les collègues, je m'entends super bien. Il y a une majorité d'hommes, j'imagine. Oui. Oui, une majorité d'hommes, mais je m'entends bien avec tout. Il y a d'autres femmes aussi qui conduisent Transport Pêche, on en a quand même un bon nombre. Ouais. De journée, on est facilement 5-6 par là. D'accord. Et il y en a quelques-unes aussi de nuit. Oui. Donc, oui. Ton créneau, c'est quoi Alors, ton amplitude de travail. Généralement, je commence sur les coups de 6h, 6h30, 7h, par là. D'accord.
Et après, bon, l'heure de fin, on ne l'a pas forcément au début de la journée, mais parce que ça va dépendre de ce qu'on fait dans la journée. Ouais. Mais généralement, 4h, 4h30, on a terminé la journée. Donc moi, ça me permet d'aller directement après le travail, récupérer ma petite et l'aider, faire les devoirs, être là pour elle, quoi. Oui, bien sûr. Tout en faisant ce que j'ai toujours eu envie de faire. Oui, il n'y a pas que de la longue distance avec de la découche à partir de la semaine. Routier ne veut pas dire découcher, partir loin et ne pas rentrer à la maison tous les jours. Routier, c'est aussi, on peut avoir des horaires type bureau, comme j'appelle ça, faire du 8h, 5h et on est rentré à la maison. C'est un métier que tu conseillerais ou qui, notamment ton parcours de formation que tu conseillerais, je suppose que oui, aux femmes, aux jeunes. Celles qui ont vraiment envie de faire ce métier-là et qui, vraiment, faut pas hésiter, faut y aller parce que c'est que du bonus. C'est un métier où, bon, certes, il y a de la solitude à certains moments, mais on est autonome, on nous donne des responsabilités, on est maître de notre véhicule, c'est de la liberté, c'est de la route, on se promène, c'est tout en faisant un métier. Moi, je le conseillerais à qui veut le faire, qu'il y aille. Mais après, par contre, c'est vraiment un métier où il faut aimer la route. Ben, on arrive bientôt, là. Oui. Là, maintenant, je dois dételer la semi. Ah oui, d'accord. Ouais, tu le laisses pas comme ça? Non, ouais. Parce que c'est un autre collègue de nuit qui se chargera d'atteler la semi ce soir pour effectuer la livraison jusqu'à sa destination. Bon, le voilà, le second camion. C'est ça, c'est celui-là. Bon, ça marche. Ah oui, en effet, il est un peu différent. Oui. Bon, je te laisse atteler alors. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc là, on a changé d'ensemble. Il y a un changement de comportement de véhicule avec une remorque comme ça, je suppose. Là, on est en camion remorque, donc on est plus long déjà qu'une semi classique. Ouais, tu fais combien là? Là, on est à 18,75 m. D'accord, au lieu de 16,50 m. Ouais. C'est ça, pour une semi classique. D'accord. Et au niveau manœuvrabilité, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est différent, mais pas plus compliqué qu'une semi. Ouais, même en manœuvre, en marche arrière, par exemple. Même en manœuvre, c'est juste le point de pivot, le point de d'articulation n'est pas au même endroit. Il y a juste ça qui diffère. Voilà, on va le voir effectivement à récupérer les caisses. Donc ça veut dire que tu vas reculer. Elles sont surélevées, c'est ça? Ouais, voilà, les caisses sont posées sur des béquilles. Et moi, je vais devoir me glisser dessous pour lever les caisses, les accrocher à mon châssis. Oui. Pour pouvoir les prendre. Ça marche. Bon, c'est pas grave, la caisse ça va se mettre en face. On va lever tout. Il faut être bien aligné pour qu'on puisse faire le serrage. Il y a du savoir-faire, monsieur, il y a du savoir-faire. Hop. Sécurité. Super. Tout est bon. Bon, ben voilà, le chargement des caisses est fait. Ça a été pas trop compliqué? Ça a été. Ouais. Bon, bah, direction maintenant le dépôt. Le dépôt, une nouvelle fois. Et puis, je crois que la journée arrive à son terme. Ah oui. Oh, oui, effectivement. Ouais.
Je tenais à te remercier pour ton accueil, d'avoir partagé cette journée avec nous, une partie un peu de ton quotidien. Aucun souci. C'était très sympa. Ça m'a fait plaisir aussi. On a senti ta passion du métier, la passion du camion aussi. Hein. Oui. C'est peut-être une source d'inspiration pour des conductrices ou de nouvelles conductrices, hein, qui sait. Qui sait. Alors écoutez, mesdames, si comme Coralie, vous êtes tentées par le métier de conductrice, n'hésitez pas, passez le permis, hein, le transport a besoin de vous. Exactement. Alors sur ce, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous encourage bien sûr à vous abonner à Truck Edition et à suivre nos épisodes de My Job, My Truck. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao. Merci Coralie. De rien. À bientôt. À bientôt. Bon courage sur la route. Merci.